Bonjour mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une petite présentation, la présentation du dernier Béline, le Béline de Gabriel Sanchez. Je vous ai mis les deux à côté parce que Gabriel Sanchez en avait sorti un il n'y a pas très longtemps. On regardera l'année ensemble dont j'ai la version, qui avait remplacé entre guillemets, enfin pas remplacé vraiment, mais qui était une nouvelle version de l'oracle Béline que tout le monde connaît quand on l'a dans sa version d'origine. Je ne l'ai plus parce que je n'ai pas accroché avec ce dernier et j'avais préféré m'en séparer. J'ai la nouvelle version qui avait été créée par Gabriel Sanchez, qu'il avait créée avec les éditions Ada. Et là, un nouveau vient d'être à nouveau créé, toujours par Gabriel Sanchez, mais cette fois-ci aux éditions Exergue. Je regarde parce que je savais que c'était très Daniel, mais je voulais vous dire exactement si c'était contredire d'Hervy, puisque vous savez que les éditions très Daniel ont plusieurs marques. Donc on va le découvrir, mais en même temps on va faire un comparatif avec les deux, comme ça, ça va vous donner une petite idée. Celui-ci était, et je crois maintenant, je ne suis pas sûre qu'il ait été du tout, du coup, réédité dans cette version. À un moment donné, celui-ci était en rupture. Je sais qu'il était beaucoup recherché parce que je voyais sur les groupes d'échange d'oracles que les gens le cherchaient. Donc il y a maintenant cette version-là, voilà, qu'on va découvrir ensemble. Donc je remercie Isabelle des éditions Très Daniel pour cet envoi, parce que je l'aime beaucoup. Il est un petit peu différent, donc on reste quand même dans la symbolique du Béline, bien entendu, parce que Gabriel Sanchez n'a pas voulu dénaturer l'oracle, mais il a encore ajouté d'autres choses aux cartes, vous verrez, on va le découvrir ensemble. Allez, on met l'ancienne version de côté pour l'instant, puisque la nouvelle version, c'est celle-ci. Donc, il arrive dans une petite boîte rigide, comme vous le voyez. Donc, petite boîte rigide de type traditionnel, là, dont on a beaucoup avec les oracles de Dorine Virtuée, etc. Donc, petite boîte cartonnée toute simple, vous voyez, très jolie néanmoins, avec des petites couleurs très pastelles. Alors, je vais vous lire le dos de la boîte et on découvrira ensuite les cartes et le petit livret. Le Béline de Gabriel Sanchez se redécouvre dans son univers originel. Grâce aux 53 cartes magnifiquement illustrées par l'auteur, enrichies d'un code couleur de les référençant par rapport aux planètes, vous puiserez dans la symbolique des astres et des signes zodiacaux pour dater vos prédictions avec les mois et les saisons. Dans le livre d'accompagnement de 156 pages, vous trouverez la signification des cartes ainsi que les méthodes de tirage afin de réaliser des lectures précises et inspirantes pour vous-même ou pour vos proches. Donc la petite différence, c'est que sur l'ancien Béline, l'image remplissait toute la carte, là non, on a un petit encadré avec des codes couleurs, comme vous voyez, qui vont référencer chaque planète. Voilà, et également les mots-clés qui n'étaient pas sur l'ancienne version, qui sont sous chaque carte, donc qui peuvent vous donner des idées sans avoir à peut-être aller regarder le livret lui-même. Donc ça, c'est le fond de la boîte. Je le mets des côtés pour avoir un petit peu de place. Donc voici les cartes. Donc les cartes sont, je vous comparerai avec les autres aussi, toujours dans cet esprit un petit peu... De nuages de couleur blanche très pastel, donc vous voyez, avec des petites frises autour or. Alors il y avait également des petites frises or sur l'ancienne version, mais elles ont changé, donc on les comparera après. L'ancienne version ne possédait pas de tranches dorées, celles-ci en ont. Au niveau de la qualité des cartes, elles sont légèrement plus fines, mais du coup plus facile à brasser, moi je trouve, que l'ancienne version, que je trouvais un petit peu épaisse par contre, mais que j'adorais en illustration, donc on va les comparer. Donc voilà, ça c'est la carte neutre. On regardera après le détail des cartes. En qualité, bon, elles sont plus fines que celle-ci, que l'ancienne version, mais elles restent de très bonne qualité néanmoins. Voilà, c'est juste parce que je les compare à l'ancienne version à chaque fois. Oula, la petite géode s'en va. Alors, le petit livret, il est tout en couleur, comme vous pouvez le voir. Alors, on va le découvrir ensemble, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas trop détaillé. D'habitude, je les ouvre un petit peu pour les regarder, mais j'ai quand même pas mal de retard
sur les présentations de certains oracles. Donc, comme j'en ai beaucoup à vous présenter, j'ai pas eu le temps de tous les lire. Donc, on va le découvrir ensemble, c'est pas grave. En même temps, le Béline, on le connaît, il n'y a pas quelque chose de particulier à découvrir. Donc, vous avez le sommaire avec tout d'abord l'alchimie de la création, les sept planètes, les méthodes de tirage, la signification des cartes numérotées de 1 à 52, puis le guide des associations des cartes et à propos de l'auteur. Donc, vous avez l'alchimie de la création. Donc, l'oracle Béline fut construit selon les sept planètes, celles-ci ayant pour origine l'alchimique, les quatre éléments. Donc, le soleil feu, relié au signe Lion, Bélier, Sagittaire, Saturne qui est la Terre pour les Capricornes, Taureau et Vierge, Mercure qui est la Terre pour le Capricorne, Taureau et Vierge, Lune qui est l'eau pour le Cancer, Poisson, Scorpion, Vénus qui est l'air, Gémeaux, Balance, Verseau, Jupiter également l'élément d'air pour Gémeaux, Balance, Verseau et Mars, feu pour Lion, Bélier, Sagittaire. Voilà, en détaillant la symbolique alchimique, nous pouvons ainsi découvrir des saisons, des mois en rapport avec des signes zodiacaux et même les jours en fonction des planètes, ce qui permet une navigation dans le temps et dans l'espace. Comprenant les oppositions et les alliances des planètes symbolisées dans les cartes, nous pouvons ainsi comprendre les dénouements et les alliances cosmiques. Donc tout d'abord, les sept planètes du Soleil. Donc on vous parle de l'élément, le jour de la semaine, la saison, les mois associés, les signes du zodiaque, on vient d'en parler, les alliances et les mésalliances. Et ensuite, harmonie, désharmonie lors d'un tirage de cartes. Donc ce que ça va vous apporter lors d'un tirage de cartes. Et puis on a la Lune, et puis Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Voilà. Jusque-là, Gabriel Sanchez n'a rien inventé, on est d'accord, puisque sur les cartes de Béline de la version originale, évidemment, on a ces symboliques-là également qui sont représentées sur les cartes. Elles n'étaient peut-être pas forcément représentées sur l'ancienne version. On va le regarder après ensemble. Donc ensuite, vous avez les méthodes de tirage, j'imagine. Voilà, 21, c'est ça. Donc, les dons spirituels, l'arbre de vie, les vies antérieures, tiens, ça c'est pas mal, la destinée de l'âme, la réponse, l'inamoramento, si je ne me trompe pas, qui est une chanson de Mylène Farmer, que j'aime beaucoup, la destinée, et là, on commence donc par la signification des cartes. Donc, vous avez la une qui est la destinée. Donc, vous avez la représentation de la carte avec son nom, vous avez son numéro et les petits mots-clés qu'il y a sur la carte. Donc, on vous dit, voilà, la clé représente les moyens, les possibilités. Donc, on vous dit ce que ça représente, la voie de la lumière ensuite et son message. Puis, on parle de l'étoile de l'homme. Et là, on a également l'étoile de l'homme, ce que ça représente, la voix du guerrier et son message. Et pour chaque carte, vous avez la même construction. Voilà, donc vous avez une page pour la présentation de la carte et une carte avec la signification. Voilà, on va jusqu'au bout. Et donc, vous voyez qu'en haut, vous avez la référence avec les planètes à partir de là. Donc là, on est sur les cartes liées au soleil. Qui sont de cette couleur, puis la lune légèrement plus claire, puis Mercure qui passe au marron, Vénus qui est plus sur le vert, Mars voilà qui tire un petit peu plus sur le rouge, Jupiter en bleu, Saturne sur un marron un petit peu différent, et ensuite du gris et la carte blanche qui est là, enfin la carte bleue, il l'appelle. La carte blanche parce que dans un autre jeu, elle s'appelle la carte blanche. C'est pour ça que je l'appelle comme ça. Donc voilà. Elle est la manifestation du divin, l'annonce que tout ira pour le mieux. Généralement, vous savez que la carte blanche ou la carte bleue, puisque là, il appelle la carte bleue, elle annule ou diminue les significations des cartes les plus négatives. Voilà. Ensuite, on a le guide des associations. Alors là, qu'est-ce que c'est ?
Voilà, à partir de là, c'est le guide des associations. Hop, hop, hop. Et les associations des cartes, de toutes les cartes. Et ensuite, à propos de l'auteur. Voilà. On va regarder le livret de l'ancien jeu. Alors l'ancien jeu, je l'ai acheté, il doit y avoir à peu près un an celui-ci, si je ne me trompe pas. Il date de 2019, en première impression, vous voyez. Donc là, vous avez la carte bleue également. Après, les cartes, vous voyez, c'était plutôt du noir et blanc. Les significations ici avaient les mots-clés qui étaient repris, mais directement sur le livret et non pas sur la carte. Et par contre, il disait effectivement qu'elles étaient influencées par le soleil, vous voyez, mais ce n'était pas au centre vraiment du tirage. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait mis en avant. On vous dit simplement que c'est influencé par la planète en question, mais sans vraiment vous détailler ce qui se passe pour ceux qui ne connaissent pas les planètes et quelles influences elles ont réellement sur vous, ou en tout cas sur le tirage sur la carte. Et ensuite, quelques méthodes de tirage. Voilà, bon, on n'en a qu'une. Non, on en a deux, pardon. Donc, vous voyez que c'était beaucoup moins fourni et du noir et blanc. Voilà. Allez, vous savez ce qu'on va faire? On va comparer les deux. Donc là, vous avez à droite le nouveau. Béline. Et à gauche, l'ancien. Voilà. Donc, pour vous montrer. Vous voyez ce que je vous disais, ça se ressemble, pardon si je ne vous mets pas en face, mais la frise n'est pas tout à fait pareille, je préfère nettement celle-ci. Voilà, qualité de carte un peu plus épaisse en tranches, mais du coup elles accrochaient un petit peu, vous voyez, elles restaient un petit peu au brassage. Vous voyez, ça ne donne pas pareil, enfin je ne sais pas si ça se... Moi je le sens, c'est-à-dire qu'elles peuvent se coller par deux en fait, ce qui est un peu plus gênant pour les tirages. Et pour le brassage. Sinon, en taille, oui, c'est la même taille. Voilà. Donc, nous avons la carte bleue pour commencer. Donc là, du coup, vous voyez, vous avez l'encadré. Alors, je regarde quelque chose parce que la signification des cartes, oui, à part, c'est la carte bleue qui est en pleine page, il me semble, sur... Ouais, voilà. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de me dire. Elle est un peu plus en pleine page que la carte réelle elle-même. Voilà. Mais les autres, non, c'est pareil. C'est la même représentation. Alors, voilà. Ça, c'est... On est d'accord, à droite, c'est le nouveau. Et à gauche, c'est l'ancien modèle. Comme ça, vous pouvez faire un comparatif. Donc là, après, au niveau des illustrations, c'est qu'une question de goût. Et de... Voilà, c'est chacun va y trouver... certains vont me dire, ah ben, je préfère le nouveau. Et d'autres vont me dire, ben, moi, je préférais les illustrations de l'ancien. Ça, c'est vraiment chacun comme il va le ressentir. Mais vous voyez que les illustrations sont restées les mêmes. Enfin, dans la symbolique, on est sur la même chose. La destinée, c'est toujours ce parchemin. On n'a pas changé de complètement d'illustration. Sauf qu'on ne peut pas dire qu'elles se ressemblent, ça, c'est sûr. Oups, excusez-moi. Oui, excusez-moi, c'était le facteur qui me menait un petit colis, un nouveau... Je vous montre pas. Hop, un nouvel oracle à vous présenter. Je vous ai dit que j'avais un super retard et j'en reçois d'autres, donc du coup, il va falloir que je m'y mette là. Donc, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Je disais que les images étaient... voilà, qu'il avait... Je crois que c'est ce que j'ai dit, parce que je n'ai pas réécouté la fin de ma vidéo pour vérifier. Mais j'étais en train de dire que, eh bien, on était resté quand même sur la même symbolique. Donc voilà. Donc là, c'est la réussite. L'élévation. Les honneurs. Pensée, amitié. Donc voyez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a de noté sous la carte. Vous avez fidélité, accompagnement. Pensée, souvenir, sympathie, affection. Campagne, santé.
présent. Trahison. Départ. Inconstance. Découverte. L'eau. Pénate. La maladie. Les changements. Donc, voyez la petite différence entre les deux, c'est que celui-ci fait un petit peu plus moderne. D'ailleurs, les visages sont un petit peu plus modernes. Celui-ci, c'est des visages un petit peu plus vintage, on va dire, rétro. Voilà, c'est ça la petite différence entre les deux pour moi. Donc là, on est sur l'argent, l'intelligence, vol, perte, les entreprises, le trafic. Nouvelle. Plaisir. La paix. L'union. Du coup, dans sa symbolique, celui-ci serait peut-être plus proche du véritable Béline, puisque les illustrations du véritable Béline sont un petit peu plus rétro. Hein. Il y a longtemps qu'il existe le Béline. Hein. L'amour. Bon, ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas vous comparer avec un véritable Béline, puisque je ne l'ai plus, comme je vous disais. La table. Passion. Les méchancetés. Enfin, la méchanceté. Procès. Despotisme. Ennemi. Pour parler. Feu. Vous voyez qu'elle glisse plus celle-ci, hein, parce qu'elle elle bouge plus à côté. Là, on est sur l'accident avec la tour. Donc ça peut être bouleversement, cassure, effondrement, interruption, empêchement, révolution. Hein, c'est pas forcément accident dans le sens où on pense de suite un accident de voiture ou un accident de appui. Beauté. Il y en a certaines qui sont très très proches en symbolique. Hein, vous voyez, c'est vraiment... ça a été juste un petit peu remanié de façon plus rétro. Sagesse. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait fait un petit commentaire sur celui-ci et qui trouvait qu'il faisait un peu trop girly. Je trouve pas qu'il fait un peu trop girly. Oui, c'était par rapport au fond, enfin au dos de la carte, mais bon, ce sont des nuages, hein, c'est un petit peu pastel, enfin c'est pas pailleté, il y a rien de... Après, il faut aimer, bien entendu. Et comme je dis, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Chacun... C'est pour ça qu'il existe tant d'oracles, d'ailleurs. Hein, puisque il faut bien qu'il y en ait pour tous les goûts. Hein. Mais bon, ils sont jolis tous les deux. Ils ont chacun leur particularité à choisir. Je ne sais pas du coup lequel je choisirais. C'est fou, hein? Là, tout de suite, comme ça. Je ne sais pas. On peut vraiment travailler avec les deux de la même manière. Ce qui est bien, c'est dans le nouveau Béline, je trouve. Bon, déjà, les petits plus du dernier, c'est qu'il y a vraiment une symbolique au niveau des planètes qui est plus importante. On peut effectivement, si on n'arrive pas à retenir
les symboles, bon, vous me direz, les symboles sont pas repris sur les cartes, mais au moins on a les codes couleurs pour pouvoir se rappeler des planètes. C'est vrai que moi, les symboles, j'arrive pas forcément à bien m'en rappeler. Pourquoi pas avec les codes couleurs, ça serait pas mal aussi. Ensuite, il y a plus de... Donc déjà, le livret, je le trouve nettement plus abouti, on va dire, au niveau des couleurs, puisque là, bon, on est du coup sur de la couleur et puis sur du noir et blanc, beaucoup plus de tirage, méthode de tirage. On rentre plus dans le vif du sujet au niveau des planètes. Donc, voyez, on a vraiment l'influence, ce qui veut dire que si dans un tirage que vous faites, vous avez beaucoup plus de cartes de Vénus, d'influence Vénus, que vous reconnaissez par le vert, eh bien, vous savez que c'est l'harmonie... Et la désharmonie dans un, lors d'un tirage, donc en fonction des cartes et de votre questionnement, vous allez savoir quel est réellement ce qui influence vraiment votre tirage, vous voyez. Donc voilà, je trouve que c'est que celui-ci est un petit peu plus abouti. Après, voilà, c'est une question de goût au niveau des images, hein, parce que là il y a un encadré. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours eu une préférence pour les cartes pleine page en illustration, donc je dirais que peut-être on peut se servir de celui-ci avec le livret de celui-là aussi, pourquoi pas, hein, voilà, tout est possible, hein. Bon, vu que j'ai les deux, moi je pourrais me servir des deux. Alors on va faire un petit tirage, on va choisir une carte. Oh, tiens, on va aller dans le vert. Et comme ça, je vais vous lire un petit peu ce qui est dit. Passion. Ah, tiens, j'ai pas fait exprès. Même, je suis allée dans le vert. Je sais que c'est Vénus, du coup. Mais juste tirer la carte passion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte passion? Je vais vous lire le nouveau et l'ancien. Comme ça, au moins, ça fera encore une petite comparaison. Alors, sur le nouveau, on vous dit... Avec la carte passion, nous entrons dans une énergie vive et débordante, quelquefois incontrôlable et irraisonnée. Elle est cette énergie fulgurante qui anime toute chose. Celle-ci nous suggère alors d'être modérés dans nos actions ou d'œuvrer avec tempérance, avec parcimonie. Elle symbolise les fortes personnalités, les caractères sanguins, les doudingues. J'aime bien les doudingues. Donc là, vous avez en mots-clés précipitation, faux combativité, entêtement, foi intérieure et ébullition. Force intérieure, pardon. Les combattants. Dans un tirage, la carte passion nous suggérerait les impulsions, les actes irréfléchis, mais elle peut aussi nous enseigner d'être un peu moins dans la réflexion et plus dans l'intuition, les émotions. Elle nous indique que la légèreté peut se dresser face à la gravité. Nous désignons ainsi les forces internes, la combativité dans l'épreuve. Elle est aussi la carte des rêves de tous ceux qui, guidés par leur passion, changent le monde. Son message, ne perds jamais ce qui t'anime. Cette force vive en toi qui t'arme pour construire ton idéal, tes rêves les plus fous. Vis tes rêves et rêve ta vie. La passion est le feu ardent qui dynamise ta volonté de construire ce à quoi tu as droit, ce en quoi tu crois. La vie est une création et comme toute création, il faut de la passion. Voilà. Alors, de la passion, mais avec modération. Et si on regarde dans l'ancien, 31, donc on a un peu moins de choses, hein, mais en mots-clés, on a quand même passion, précipitation, combativité, fougue, déraison, adolescence, entêtement, force intérieure. Sur le domaine sentimental, on est sur une relation passionnée qui consume, déraison, vitalité, amour fougueux, relation charnelle, domaine professionnel, vocation, motivation, investissement, entrain, initiative et conviction. Et dans le domaine spirituel, extase, conviction, investissement, aveuglement, vitalité, passion, doctrine et religion. Donc dans la première version, on ne vous donne que des mots-clés et dans les domaines sentimental, professionnel et spirituel. Voilà, donc vous voyez qu'il est un peu moins abouti, on va dire. Après, si vous connaissez bien le Béline, eh bien je dirais que la première version vous ira tout à fait. Mais si vous êtes plutôt débutant dans le Béline, eh bien peut-être que de travailler avec la nouvelle version, ça sera peut-être mieux, parce que du coup vous avez les mots-clés sur la carte, vous avez plus d'explications aussi pour la carte. Voilà, donc je pense que c'est une belle création que nous ont... proposer les éditions Exergue avec Gabriel Sanchez.
Voilà, j'espère que vous avez aimé ma présentation. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je voulais faire une petite aparté. Je vous ai présenté il y a 2 jours ou 3 jours, je ne sais plus, le temps passe vite. Non, c'était il y a 1 semaine, pardon, dimanche dernier. Je vous ai présenté, vous savez que je mets certaines fois des gens à l'honneur, je vous ai présenté Marilyn qui propose des régressions, enfin des hypnoses spirituelles en régression. Attention, le mot est précis, faut bien le dire. Hypnose spirituelle de régression, régression dans les vies antérieures ou régression dans l'entrevie. Et pour ça, je vous ai proposé donc un jeu. Enfin, c'est Marilyn qui vous a proposé le jeu. Et il faut jouer jusqu'à demain avant 15h. Voilà, parce qu'après, je procéderai au tirage au sort sur ma chaîne YouTube en direct. Donc, le grand gagnant sera tiré. Et le grand gagnant gagnera une séance quand même qui coûte 180€. Donc, si vous n'êtes pas encore allé vous inscrire, je vous mets en haut le lien vers cette vidéo où tout est expliqué. Et du coup, eh bien, vous pourrez aller participer également si vous le souhaitez. Voilà, il faut aller sur le site de Marilyn pour participer, pas sur ma chaîne. Mais tout est expliqué sur la vidéo et en dessous le déroulé de cette vidéo que je vous ai présentée dimanche dernier. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Mais de toute façon, je reviendrai ce week-end pour d'autres présentations et sûrement votre guidance de l'amour demain. Alors, quand on pense à la Saint-Valentin, on pense de suite au domaine sentimental amoureux, son Valentin, sa Valentine. Mais ça peut être l'amour dans tous les domaines, hein, puisque ça peut être l'amour de soi, l'amour, l'amitié. Voilà, il n'y a pas de restriction, en tout cas pas dans mes guidances, sur l'amour. Ce n'est pas que pour les célibataires ou ceux qui sont en couple. C'est pour tout le monde. Voilà. Et d'ailleurs, pour fêter la Saint-Valentin, vous avez dû remarquer que j'avais fait des ongles sur le thème de l'amour. Love avec des petits cœurs. Mais bon, je me suis dit, même si c'est pas la Saint-Valentin, on peut être dans l'amour tout au long de l'année et c'est bien aussi. Voilà. J'aime beaucoup cette idée d'amour constant. Je vous embrasse et je vous envoie, tiens, plein d'amour. Vous savez que je vous aime très très fort. Et du coup, je vous l'envoie. Allez, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très 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 bientôt. Portez-vous bien. Je vous embrasse très fort. Bisous.